Alors, essayons maintenant de faire un peu de couleur. L'objectif, hein, je vous le rappelle, c'est de faire des dessins avec une tablette Krita et des paysages. Alors, j'ai chopé ici la piscine, c'est pas écolo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cyprès. Alors, ça, c'est mon image de référence. Maintenant, sachez gérer. L'idée, ça sera d'utiliser cette image de référence pour faire des éléments, des petites fleurs, des petits arbres, des petits cyprès. Et puis les petits massifs qui sont là. Et puis les petits agrumes qui sont par ici. Et puis peut-être revoir aussi les perspectives. Alors, je vais faire les éléments séparément, les uns après les autres. Ça me prendra le temps que ça me prendra. Première étape, alors, arrière-plan verrouillé, quelques dessins transparents, pas verrouillés. Concernant les brushes, alors ici j'ai tous mes brushes, il y en a plein, mais j'ai remarqué qu'ils sont filtrés, numériques. Il y en a peut-être un qui peut m'intéresser. Je vais me prendre du noir, je teste le brush. C'est noir ça? Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ça. Ça. Plus épais. Non, je voudrais un pinceau en fait. Ouais, ça me plaît bien. Alors, contrôle A, pour supprimer tous mes traits. Alors, je vais faire un joli mouvement. Hop, raté. Ouais, ça, ça. Allez, on dira que c'est mon cyprès. Bien, donc je vais faire un autre calque. L'idée, alors je vais le mettre dessous pour que mes traits soient au-dessus. Je vais me prendre du vert. Alors pour le coup, ça me plaît bien. Et ben je m'en vais mettre de la couleur là-dedans. Alors le fait que le calque soit au-dessus, le calque des traits, ben, en fait ça me permet de voir toujours mes traits. Donc ça, ok. D'accord. Hop. Ici, je fermerai bien. Je garderai mes traits. Maintenant, pour mettre un petit peu de lumière, bah, ayant choisi ce vert là, j'ai du très clair. Alors, je vais me dire que la lumière, elle vient de par là, un peu comme sur ce dessin là. Donc là. Ok. Bah, je vais en mettre là aussi. Je vais peut-être faire l'opposé, un peu d'ombre par ici. Hop. Alors, ça fait moche. Mais après, j'ai vu que dans numérique, dès qu'il y a des symboles avec de l'eau, ça va me permettre d'étaler. Alors, ça étale, comprenons bien. Pas les traits du croquis. Mais les traits qui sont sur le calque, celui-là, où il y a la couleur, en fait, le plus simple c'est de vous le montrer. Ça étale donc les traits qui sont là. Tiens, ça peut être rigolo comme ça aussi. Toc. Et si je remets le contour, pof. Si je les zoome, ça manque un peu de trait à l'intérieur. Donc je vais me remettre là-dessus. Je vais reprendre du noir. Je vais refaire le trait que j'avais pris. C'était lui, je crois. Non, c'était pas lui.
forme. Mais pas trop. Ok, bon bah ça me fera donc ainsi près. Allez, on s'arrête là-dessus. Après, je m'attaquerai à cet arbre dans son pot.